Poufouf YouTube, bonjour à tous, bienvenue à tous pour le sale. Après une demi-heure de préparation, on est prêt. Braquage T-Max, Verdansk. On est chaud, on est beau, on a du chargeur, on a du matos. On a une équipe. Écoutez, cette fois-ci, c'est moi, El Chefe del Chapito. T-Max planqué. Ouais. Verdansk forêt. Le plaisir. Tac. Le plaisir est total. What the fuck? Ah ouais, pourquoi? Ça va, c'est scratch. Rendez-vous station. Moi, je me mets où, du coup? Je me planque dans la ville? Bah, comme tu veux, ou alors tu vas avec nous dans la station. Mais le problème, c'est que si tu vas avec nous dans la station, tu planques ton T-Max à côté, tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il faut courir... Faut pas qu'on soit tous dans la station, hein, sinon ça me fera pas. Faut qu'il y en a forcément un à l'extérieur. Vas-y, moi je me mets en extérieur, y a des bâtiments qui sont ouverts en extérieur. Parfait. Ouais, mais il faut que t'aies visu sur la station. Ouais, ouais, visu sur station. Attends, laisse-moi checker. Donc du coup, voilà, bonne chance à tous, et puis bonne chance à nous, bonne année, joyeux Noël, et puis que la chance soit avec nous. Hélico ! Hélico, hélico ! Hélico ! C'est dragon, c'est dragon, c'est dragon, c'est dragon, c'est dragon. Putain, tout est fermé. Ah, il y a une paire de bâtiments. Après, je peux très bien monter s'il n'y a pas d'hélico sur le plot allé, là. Hein. Quoi? Ah merde, tu peux pas monter. Non, rien, c'est rien. Fausse alerte. Non, bro, tu peux te mettre dans le bâtiment en face de la station. Et non, mais si tu te fais pas voir et que juste tu tires que quand il faut, normalement, ce sera... Dans le bâtiment en face de la station? Yep. Oui. Ah, le market là? Yep, ouais, ouais, voilà. Ouais, vas-y, ça marche, je suis à côté. C'est qui Kisoma? C'est toi Kisoma? Ouais, c'est Rastov, il sera les. Mais moi, je me serais mis plus loin, comme ça, quand ça arrive, je peux les back. Bah, tu fais comme tu veux. Bah, me donne pas d'ordre alors. Vas-y, vas-y. Ou alors je me mets au niveau du pont de l'autre côté. Putain, je sais pas où mettre. Pour moi. C'est chaud. J'ai jamais fait ce braquage là. Ouais, mais je ferai le sur moi-même alors. Ouais, mais non, mais parce qu'en fait, le truc c'est qu'il faut que t'aies un visu sur nous. C'est-à-dire que si moi par exemple je rate un flic que toi tu vois et que moi je vois pas, au moins tu peux signaler. Tu veux que j'aille dans l'église Oui, mais sans te faire voir. Si tu peux ne pas te faire voir, ce serait cool. Et moi, à mon avis, il n'y a qu'une entrée dans l'église, donc moi, je peux avoir le visu. Vas-y, je vais scier l'église, mais je sais pas si Seigneur, il appréciera. Ouais, bon. Enlève ta casquette et puis ça passera. C'est bon, je suis dans l'église, voilà, par contre, c'est chaud pour avoir un visu. Hein. Regarde, pour avoir un visu, je dois vraiment sortir de l'église. Hein. Je te tiendrai au courant et t'essayes d'avoir du visu et toi tu sors dès qu'il faut les abattre ou quoi que ce soit. Et moi de toute façon j'ai le visu sur les escaliers donc moi je les abats les flics, tu vois, c'est pas un souci. Après tu fais comme tu veux, si t'as envie de te mettre dans une autre maison, tu te mets dans une maison. Ouais, ok, bon j'ai deux entrées de mon côté. Ouais, y'a trois entrées, c'est chaud de fou hein. Ça va Smoking, bienvenue. Je viens de rejoindre le clan. 053025. C'est quoi, c'est ton RIP ça? Là, le market? Non, enfin... Moi, je pense que le market, c'est une bonne chose, hein. Je te mets un point, regarde, ouvre ta carte et regarde. Le market, c'est arme à la main, David. Le market, c'est un bon point, je pense, non? Là-bas? Mais t'as un... Mais il a un bon visu sur le market, s'il s'y met. Quelle galère. Il y a déjà une demi-heure de préparation. Même plus que ça, il y a une heure de préparation. Il est 22h. Vas-y, je vais mettre à la maison où t'as mis Go Checky Checker. Normalement, t'as un visu par la fenêtre sur la station. Par contre, te fais pas voir. Hein. Et si ça rentre dans la maison, t'essayes de courir et de monter cover. Yep, j'entends. Confirmé, visuel. Ok, guys. Allez, c'est parti. Ok, reçu. Est-ce que le T-Max est juste à côté si jamais on doit se barrer? Moi, il est un peu plus planqué à l'autre côté, moi. Attends, je vais donner les clés à Rastov. Yep.
Thomas Freaking. Ouais, leur repérage était utile. Non, mais c'est vrai, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que vous foutez. En gros, pendant une heure, on s'est préparé. On a fait du repérage. On a vu un peu les bâtiments. C'est pour ça que la moitié des bâtiments étaient ouverts. Ouais, bon, on a regardé le positionnement. On dirait pas, mais il y a quand même eu du travail derrière. Voilà, je vous demanderai de ne pas l'oublier. Eh ben écoutez, dès que c'est go, moi je lance. Et c'est ouais, peut-être c'est le bon. Dernier braquage de 2021. Je suis toujours go. Je vous ai aimé. Bonne chance à tous. Ok, ça braque. C'est parti. C'est parti! Donc là, on est là, Verdansk, pleine campagne, on a des T-Max. L'idée après, c'est d'aller se réfugier au traitement de bois et d'essayer de se planquer à l'intérieur. Ouais, c'est chaud. Et je viens de voir, il y a un DP de police à 5 minutes d'ici. Fais les sommets, mais faut qu'elles s'entendent bien, quoi. J'ai peur qu'ils n'entendent pas avec ton. Si, t'inquiète, tu m'entends. C'est toi qui soma, moi je mate le pont, je te dis si ça arrive. Hélico ? C'est Dragon, chef. Non, mais si c'est pas Dragon, c'est vraiment la merde hein, pour semer en T-Max. Hein. Ou là, faut qu'on aille se planquer dans la cité, il y a tout à faire. Hein. Je sais pas comment on va faire. Merci Smoking, Astosap, ça fait plaisir. Merci Captain, merci Ragnar. Kenan également qui s'est réabonné. Ça paiera mes honoraires d'avocat, je pense fortement. RS pour le moment, t'as combien de pourcents? Il n'y a plus de pourcentage. Ouais, mais t'as combien d'argent là? J'ai 43 000 euros. Et c'est quoi, on reste jusqu'au bout? Bah comme tu veux. Affi. Ok, affi, affi. Heures. Bonne chance. Je sais pas comment ça va terminer, mais ça va être incroyable. Ça va, Joël, bienvenue. Passe de bonnes fêtes à toi aussi. Dans tous les cas, dès que je meurs à Stoff, moi je lâche. Hein. C'est-à-dire que si ma protection elle lâche, David, moi je mets en mouvement et puis je monte au top. Non mais je te dis, hein, si, de toute façon, si je meurs, tu meurs. Hein, parce que si je meurs, c'est que toi ils t'auront. Ouais, bah faut que je monte en haut. Bref. Parce qu'en soi, y'a pas de montagne apparente. Eh oui, ils sont là-bas. Non. Voiture! J'ai entendu un moteur au loin. Cette adrénaline. Ah ouais, non mais c'est fou! Ah oh, putain, c'est incroyable ce monde magique. Putain, mais je suis à 5000 euros, mais qu'est-ce qu'il faut? Voiture, confirme, ça arrive. Pont en face de moi. Alors, ça peut te jouer dès qu'il y a les deux. Confirme, police. Ils ont entendu sommation, en fait. Soma effectué. Entendu, Soma, confirmation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tire direct sur les VL ou ouais, on attend? Allume. Non, négatif, pas assez de puissance pour les abattre d'un coup, donc attends qu'ils sortent du véhicule. Ok, reçu. Pensez que je me rends premier ou pas? C'est tellement stressant et excitant à la fois. De quoi? Le but c'est de ne pas se faire repérer parce que toi si tu commences à allumer, ils vont t'allumer après, ils seront ôtés. Ah ouais, vas-y, je tire pas, je communique radio. La pression est palpable. Combien d'argent? 200 000. Ça bloque à combien ici? Ah, ça peut bloquer jusqu'à 1 million. 1 million? Putain, on est là 2 heures! Ah oui, on peut se faire beaucoup de thunes. Après, si vous pensez qu'on peut se barrer avant, on part. Bah ouais, hein. Quand vous voulez, hein. Voilà, les flics, s'il y a qu'un Range Rover qui arrive tout à l'heure, ça m'étonnerait que ce soit beaucoup, hein. Ouais, mais après, plus on reste ici, et plus ils ont le temps de mettre en place un plan de leur côté, hein. On est à 242 000, là. En fait, l'idée, c'est genre, si on reste une heure ici, dans une heure, c'est possible qu'on ait une raid, un hélicoptère, un sniper, Bill Clinton et James. Tu vois ce que je veux dire? Après, attention, parce que peut-être qu'on les entend plus, ils sont mis à patte et on va se faire soulever dès qu'on va sortir un truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas faux non plus. Donc, si vous voulez, on se fixe une limite à 600 000, on bouge.
Si on n'entend personne, on essaye de bouger, tu vois. Après, c'est risqué péril. Parce que je peux t'assurer. Même chasse officielle Rosewood 20 mois. Ça m'avait manqué de voir des braqueurs se faire soulever. Visage content. Bisous Ben. Ah, il y a un VL qui tourne autour, je vois pas où il est. Merci Ben, c'est gentil. Passe de bonnes fêtes. Comme on n'a pas eu de cadeau à Noël, bah. On braque. C'est le Père Noël qui m'a demandé de faire ce braquage. VL qui arrive du pont à mon niveau. Ça s'est bloqué en dessous du pont. De toute façon, avec les T-Max, on se barre en off-road. J'entends Rastoff à l'arrière, ça. J'entends des véhicules à l'arrière. Il y avait un véhicule à l'arrière, j'entendais. À l'avant, Rastoff, à l'avant. On repasse, c'est CSI dans son Urus. Ah ouais, c'est dans un Urus, là, le véhicule, là. Ouais. Bah, je crois que c'est un Urus, mais bon, c'est CSI qui est là. Donc, eux, ils ont casque et flash. Faudra faire gaffe. Combien d'argent, là? 392 000. Ça fait dur pour se barrer. Ils font des tours de repérage. Ouais, ils repèrent full. Il repart le pont. Ça freine, ça fait demi-tour. Ça revient. Sur le pont à mon niveau. Ça revient. Ça repasse devant vous. On est d'accord que c'est pas blindé les véhicules. Non. Cela non, mais si dans 2 heures t'as une raid, là, si. Non, non, mais, moi je pense qu'au prochain passage, tu te relèves et tu asmates le pare-brise. Ouais, je pense en vrai que, mais moi, si tu veux, on peut se mettre à deux et on peut l'asmater. Le problème étant que si on l'abat pas, on est dans la merde. Donc là, il repasse, là, on peut l'abattre. Ouais, essaye. Ils sont arrêtés. T'as failli me buter, sale fou! Non, mais non, putain, mais je te jure, ça a tout bougé ici! Ils sont dans la forêt, là, t'as pété une roue! Ah ouais? Dès que tu les vois, essaye d'asmat. Si même tu dois sortir pour les tuer, c'est... Lego. Je vois pas où ils sont, putain, tu les as bloqués près de moi! Ah, j'espère que c'est pas la paf, hein. Ah, c'est la paf. Il se rapproche et tout. FBI, open up! Vous êtes des monstres. Ok, il y a la paf. Confirmé? Ouais, c'est la paf. Attends, tu les entends arriver depuis une diode. Parfait, il a réparé, il se barre. Info. Regarde en bas s'il te plaît, je crois que ça s'est arrêté. Ah bon, je me dis ça. Info tir. Ils sont dans la forêt en dessous du pont. Les 600 000, vous confirmez, j'arrête et je monte. Bien. Avec Radiator Asof. Ouais, affirmatif. Vas-y, j'ai lâché la position, j'ai bougé. J'ai encore quelques instants avant d'atteindre 600 000, donc je vais monter au top avec Rastoff. 600 000, je lâche 600 000. Ah, j'ai lâché, je me suis barré. Y'a toujours pas eu le message, mais je suis à l'étage avec Rastoff. Ok, moi je me suis barré de mon bâtiment parce qu'il savait où j'étais. Encore, il suffit de s'éloigner.
s'arrête. Ah, vous m'avez entendu? Attends, mais ça s'arrête. Ah, mais vous m'avez entendu? Oui, oui, on t'a entendu. Ouais, je me suis barré, je suis vers le T-Max, parce que là, ma position était full cramée. En plus, la vitre, elle a mis 2 heures à se briser, c'était insupportable. Bon, pour info, il n'y aura pas le TV News tant qu'on serait pas, tant qu'on sera pas sorti de la station. Mais je récupère plus d'argent à l'heure actuelle. Ouais, pas de soucis. Et pour info aussi, il y a 2 mecs qui arrivent à pattes dans la forêt. Les 2 mecs de tout à l'heure en P3, full équipés, qui vont venir nous aider. Ah, c'est bien ça. Vas-y, parfait. Ouais, mais tu vas voir, on va s'auto-entretuer, c'est sûr. Non, non, t'inquiète pas, ils savent qui on est, ils savent où on est. Ils savent où on est. Je peux avoir ta position, s'il te plaît. Je suis vers le T-Max, là, je suis dans la grange. Ok, fais gaffe, parce que c'est pas très safe. Ouais, mais où j'étais encore moins safe, j'ai vidé un chargeur complet sur celle-ci. Tu restes derrière, parti. Ouais, si ça monte, tu viendras vers moi. Affirmatif. Vous avez vu où ils sont là ou pas? Non. Affirmatif, ok. 612 000. Ah, putain, la sonnette police, ça m'a fait hurler. Faut, même s'il y a paf. Ah, ça s'est arrêté. Ça s'était arrêté pas loin derrière. Dès que ça s'arrête derrière, tu me dis, on met ça ce matin. Ouais. Ça revient. C'est stressant, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je serai plus à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Pour l'instant, il n'y a personne, donc suivant, on échangera. Ouais. Moi, j'ai visu sur votre avant. Ouais, ok. C'est stressant. Le stress est palpable, hein. On arrive à... On pourrait le couper au couteau. Moi, tu rentres proche. Ils sont là quand, tes potes? Ils arrivent dans 5 minutes, je pense. On sera déjà mort dans 5 minutes, si c'était pas bonjour. Bonjour. C'est quoi votre voiture, les gars? On est full à pâte. Ok, pour info, il y a une CSI qui tourne. Normalement, il y a peut-être un chauffeur de moins. Ils sont dans un véhicule, il y a déjà plus de pare-brise, mais peut-être qu'ils l'ont réparé. Vous évoluez depuis où, les mecs? 30. Ok, d'accord. Verdansk. MP7, MP3. Verdansk, bon, Call of Duty, mesdames et messieurs. T'inquiète pas pour moi. Ça va, Manzi, bienvenue. Il fait sombre, on voit rien. Ouais, il fait nuit, c'est normal. T'inquiète pas, c'est pareil, je vois rien. C'est le principe de la nuit. Tu penses que je peux bouger pour mettre dans un autre bâtiment? Pff, on reste tranquille, attends que l'équipe à pied arrive. Mais j'ai pas l'impression qu'ils interviennent vraiment, les flics. À limite, on peut se barrer, hein. Ouais, on peut essayer de se barrer. David, t'es où précisément? J'entends marcher. C'est moi, t'es dans T-Max? Oui, je te vois, je suis là, je suis devant toi, T'as une fenêtre normalement avec de la paille. Ok, putain, tu m'as fait flipper, comment t'as vu le T-Max? Je suis là, devant, ne tire pas, je suis devant toi là. Là, devant toi, à la fenêtre. Droite. Devant toi. Là. J'ai vu une tête faire coucou. T'es à la cave, du... Non, je suis à la MP7. Y'a un gars qui est là. Putain, et si c'était CSI, j'étais en mode, mais je suis niqué, je vois rien. Bah, je pense qu'on peut se barrer, non? T'as combien en argent, là? On a 620 000, je me suis arrêté de braquer. Après, on peut reprendre si vous êtes gourmand. Hein. C'est braqueur à côté, là? Tu veux que je reprenne? Bah non, je suis à l'étage, je peux pas reprendre. Moi, tu veux que je reprenne? Hein, c'est des braqueurs à côté de moi? Oui, mais c'est toujours moi. Ballot de paille et tout. Oui, c'était moi. Ok, moi pour info, j'ai une place sur le T-Max. Hein. Non, mais il y en aura toujours un à pattes. De toute façon, on comptait sacrifier Jérémy. Oui. Il y a des hélicoptères de la PAF.
voir ce que vous voulez. Ouais, j'entends, mais dès qu'on va démarrer les T-Max, ça va s'exciter, hein. Si, je vais prendre juste un assaut. Le problème, c'est que ce qui m'énerve, c'est qu'on est sur des T-Max, c'est que bon. Après, on peut partir à Patoun dans la forêt, on se fait récupérer par quelqu'un. On part, ah ouais, non, et on part en direction de la grange que je t'ai parlé tout à l'heure, David. En dessous de la cellule, là, de prison. Vas-y, on peut faire ça maintenant. À Patoun, on peut rejoindre le traitement de bois et on attend là-bas. Hein. Oh, et un gars, il vient avec un sprinter, comme s'il fait du bois, on monte à l'intérieur et c'est tout. Hein. Ouais, traitement de bois, ça va être chaud. Hein. Ouais, si, on peut le traitement de bois. Déjà, est-ce qu'on a une personne pour venir le chercher? Non. Ah, sauf t'as pas un contact? Moi je peux passer des coups de téléphone, mais quand on sera au point de rendez-vous. Non, mais là la question déjà c'est que juste quand on va sortir, on va se faire full à ce matin. À mon avis, ils doivent déjà avoir pris une position dans le village déjà. Ah ouais, tu penses? Bah, on entend plus de véhicules, si je suis ce serait pas pareil, genre donc pareil, ils ont pas autre chose à faire. Moi j'irais bien me foutre ailleurs à côté du T-Max, bah, peut-être un peu trop vu là. On fait comme il a dit Jérémy, hein. On se met là où on a voulu aller tout à l'heure. Tu sais la petite grange là, juste en dessous de la maison là, le truc de charbon. On voit le truc de charbon. Ça fait un peu loin, hein. Ça fait attends. 400 mètres. Ça fait 400 mètres, on fait ça David? Et Ramsey, c'est moi le jeu que vous voulez. Ouais, charbon? Ouais, go. À pied ou en véhicule? À pied. Hein. Faut essayer d'aller dans la forêt, hein. Ok, bah attendez, faut qu'on se rejoigne alors. Yep, venez tous dans la station. Venez à la station. Ok, je suis au marché, je suis à côté de vous là. Ok, traverse, on protège. Hugo et Moldu. Oui. On fait notre vie, t'inquiète. Je suis derrière, derrière la station. Vas-y, viens, on trouve la porte. Vas-y, go, je commence à descendre, on y va. Vas-y. Vas-y, go. Putain! Ah, les enculés! Oh putain, ils étaient à côté! Oh! Ils ont trop bien joué. Putain, il est là, il est en dessous de la caméra. Je pensais que c'était Jérémy. J'ai même pas envie de vous en parler. Putain, la synchro. Attends, mais ils sont à côté, ils ont même pas entendu. Vous vous rendez compte? La honte! Les mecs étaient à côté, ils les ont même pas entendus, c'est abusé. J'entends Jérémy dire, j'arrive, j'ouvre la porte. Je pensais que c'était Jérémy. Bah non, c'était Vinny. Oh putain. Ah, ils ont bien joué, hein. Ah ouais, putain, on avait vraiment l'impression qu'on était tranquille, tu vois. Ah, j'en reviens pas, putain, et je suis tombé nez à nez. Et en plus, vous savez quoi? Dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée d'être devant? Ils vont se faire dégommer. Vraiment, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée d'être devant? J'étais en mode... Là, je suis devant, je suis tout seul, je suis en train de prendre des initiatives. Est-ce que c'est une bonne idée, tu vois? Mais... Je sais pas, on avait l'impression qu'on était tout seul, en fait, donc... Bah, je m'étais dit, bah, ouais, de toute façon, il va rien m'arriver, là, je suis à côté du bâtiment, il va rien m'arriver. Grossière erreur, mesdames et messieurs. Grossière erreur. J'entends courir à côté. Ça parle plus à la radio, il n'y a plus rien. Là, ils sont tous... Là, je vais vous dire ce qui se passe, là. Ils sont allongés contre un mur,
et ils attendent. Personne parle, personne respire, rien. L'espoir s'est envolé. Je suis dégoûté. Punaise. Quelle erreur. Je me doutais que vous alliez vous faire avoir, moi. Vous en saviez rien, mesdames et messieurs. On aurait pu s'en sortir. Mais la nuit n'a pas été à notre avantage, dirais-je. Flash. Reflash. Ah, il a pas voulu prendre, hein. T'es mort. Ah, putain, il a pas voulu prendre, hein. Quel bordel. Mon dieu. Ouais, le plan, il était cool, c'était mon idée, le plan. Après, ça aurait été plus simple. Ça a pas marché, ta flash, hein. Non, oh, mais quel... Vraiment, quelle portée de merde. Flash, hein. Ah. Bon. Bah, j'ai l'impression que... Ouais, il reste plus grand monde. Efficacité, la flash. Bon. Vous imaginez là l'ambiance, Verdansk, pleine nuit, des planques de partout, où ça tire comme ça, da 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 da. C'est trop bien, c'est ce qu'on voulait. Que j'ai kill... What the fuck? C'est qui Robert Casti? Un PN. C'est un gardien de la paix. Merde. Je connaissais vraiment pas que je savais pas qui c'était lui. Putain, bon, on était. C'était sûr, j'allais crever. Putain, je vais. Bah, on est tous morts. Bisous à tous. À demain pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous sur Arma4Life. J'ai fait des tutos sur YouTube. Rasuper.com, Instant Gaming. Arma3RP 2022, on est là. Bisous YouTube. Et puis écoutez, n'hésitez pas à déposer le petit pouce bleu pour soutenir ma convalescence et payer les frais d'avocat. Bisous à tous, cœur. Mais ils ont bien joué. On jouera mieux la prochaine fois. Salut !